on a décidé de sortir la grosse attaque et tout donner, et on a réussi à remonter jusqu'à la première place, donc vraiment une semaine magique pour nous. En tout cas, bravo, je vous donne une ovation pour Sébastien Ogier qui gagne à nouveau avec France, mais qui est champion du monde. Bien Cédric, ça va? Encore un dernier tour et c'est bon? Ouais, bon, petit spécial. Dans les pneus ce matin, mais cet après-midi, on va essayer de faire un peu mieux. Ouais. Ouais, l'auto va bien. Rallye s'est bien passé jusqu'à maintenant. On verra cette dernière boucle qui s'annonce, j'espère, sans pluie. Qui s'impose pour la deuxième fois cette saison. Bien, sauf ce matin, ce problème de courant d'alternateur qui a lâché, malheureusement. Mmh.
aucun problème, donc j'espère que ça va continuer comme ça. 80 mètres, droite 110, plus, dans frein gauche 90, plus, pas corde, dans droite à fond, dans léger frein gauche 100, 120, 10 mètres, referme épingle droite. Dans gauche, frein, épingle gauche, risque sale, dans droite à fond. 25 mètres, attention, frein contre 90, referme, 80 mètres, droite à fond. 50 mètres, droite 110, dans frein épingle gauche. Dans frein épingle gauche. Pour droite à fond. Morin et Nicolas Clinger, ils voulaient cette sixième victoire sur ce rallye du Var, et bien ils l'ont décroché en même temps qu'ils ont décroché le titre de champion de France des rallyes 2013. Félicitations mon cher Julien. C'est le dernier podium de la saison sur ce rallye du Var, avec sur la plus haute marge du podium et le vainqueur du rallye du Var et le champion de France des rallyes 2013, Julien Morin, Nicolas Clinger, Jérémy Ancian, Olivier Mitrani deuxième et Pierre-Martin Rocher sur la troisième place.